Sweet violet, sweeter than the roses, covered a lover from head to toe, covered a lover with sweet violet. Rapport d'autopsie de Catherine Eidos. Sonntag, den 30 September. Dimanche 30 septembre. 1888, 15h37. Les visages ont particulièrement souffert. Une incision à travers la paupière a tranché l'œil gauche, une autre, similaire et parallèle, l'œil droit. Ben comme ça, c'est équilibré. Le nez est coupé en travers jusqu'à séparer la chevrotte en deux. Plusieurs coupures sont constatées sur les lèvres. La peau des joues est partiellement pelée. L'abdomen est complètement ouvert du sternum jusqu'au pubis d'une seule incision se dirigeant de bas vers le haut. Les foies a été poignardé avant d'être coupé à deux reprises. L'aine, les pancréas, l'artère rénale gauche et la paroi du péritoine ont été tranchées. La matrice a été enlevée et emportée par l'assassin, mais il reste environ 1 cm attaché au corps. Ah oh bah ça va alors. Le rein gauche est plus honnêtement coupé et a également disparu. Verschwinden. Quelle jolie langue. L'une d'elles tombe de son nid, il en reste 4. 4 rimes avec Catin, 3 rimes avec lui. Mettra la ville en feu, il en reste 2. 2 petites Catins qui frissonnent de peur. Au fond d'un chapeau, attendent le jour. Le couteau de Jack Brie, il n'en reste qu'une.